Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le dimanche 2 juillet 2017. Donc aujourd'hui je vous prends en vlog avec moi. Donc aujourd'hui je fais un concours interne à mon club. Donc du coup c'est mon tout premier concours avec Castille, donc je suis trop impatiente. Et bien sûr je prends également Dictatine. Donc voilà, j'ai 3 diètes, donc là je vais aller me préparer et je retrouve juste après. Donc je porte un polo bleu de la marque Fuganza, un pantalon marine et bleu également de la marque Fuganza et des chaussettes marines ciel et bleu également de la marque Fuganza. Donc ma tenue pour monter, donc c'est un polo noir de la marque Fuganza, un pantalon blanc de la marque Fuganza et des chaussettes noires de la marque Pad. Donc là je suis prête, donc je vais aller chercher ma copine Perrine, donc ensuite on va aller à mon centre équestre au concours. Donc là je suis partie au cheval. Donc comme toujours en arrivant je vais voir mon loulou Dictatine. Donc aussi si vous n'avez pas vu le parcours, j'ai mis dans mon vlog d'hier, si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien juste ici. Et bien évidemment je vais également voir ma louloute Castille. Donc Castille se repose avant le concours, donc je sais pas si elle va donner toutes ses forces ou pas, mais voilà. Elle est d'attaque. Prépare ses affaires. Elle déménage. Ma jument dort alors que il y a le concours quoi. Je sais pas si t'as déjà senti que ça s'est fait. Non. T'as vu, je fais comme Dayek. Donc du coup la Castille est prête, enfin les brossés, etc. Donc du coup sur ses sabots, donc je lui ai mis des paillettes, puisque voilà, c'est une fille, donc. Donc voilà, donc sa queue elle est tressée, donc il y a également des paillettes, mais je sais pas trop si vous allez voir à la caméra, voilà. Et pareil sur la crinière ça se voit un peu plus à la caméra. Donc là je fais marcher un petit peu à Castille, donc dans la petite carrière, puisque donc en fait l'échauffement c'est dans le manège, mais donc du coup je la fais marcher un petit peu avant, voilà.
c'est bon, le plus gros stress de la journée est passé. Donc j'ai fait sans faute avec Cassie. Donc je suis trop contente parce que c'est la première fois que je sautais avec elle sur un parcours. Donc voilà, là je la marche un petit peu. Donc voilà, j'ai décédé, etc. Là, je donne des friandises parce qu'elle les a bien méritées. Je suis super fière d'elle. Du coup, elle en cherche encore, là. Là, je viens de préparer dictating, enfin brosser, etc. Donc voilà, donc comme Cassie, j'ai mis des paillettes. Oui, je sais, c'est un mal, mais c'est pas grave, il y a concours, donc voilà. Donc j'ai déjà mis ce protect aussi, puisque je passe dans les premières. Donc pareil, j'ai fait une tresse et j'ai mis des paillettes. Ah, mais peut-être que ça se voit mieux la caméra, je crois, non? Et donc pareil sur la crinière.
chercher Dictating un petit peu, j'ai pas fini parce que j'avais pas mon téléphone, donc j'ai décelé, etc. Je lui ai donné ses friandises, puisqu'il les a bien méritées. Donc du coup là il est 18h il me semble, donc on va aller au club de Perrine, donc s'occuper de ses chevaux. Donc on vient de mettre Tidian au paddock. Et donc on a également mis Brooklyn au paddock. Leurs soins, donc on a également fait les soins de Tidian, même si vous l'avez pas vu en vidéo, mais du coup j'ai fait Tidian, Perrine a fait Brooklyn, donc je l'ai filmé à la fin, mais bref voilà, on n'a pas tout filmé mais on a bien fait les soins de Tidian, je tenais à le préciser. Donc du coup là on va prendre la route pour rentrer chez nous. Donc voilà, donc là je viens de rentrer, donc là je vais prendre mon bain, après je vais manger, etc. Je vais envoyer toutes les photos à Perrine, Perrine va envoyer toutes ses photos et voilà.